Alors en fait, je connaissais surtout la route qui va de Géorgie à Yerevan, puisque j'étais ambassadeur en Géorgie, donc c'est le nord. Είναι κανόνιος της ΑΕΜΑΣ. Κοιτεύω ότι μην ξέρετε σπάστος εσπάνθελα, βραστανόν δεν σπάνθελα. Κοιτεύω βραστανίς, δεν πει αέρασαν εγώ ξανά. Πάρα να κάτω είναι που είδα, δεν ζουν το C'est ça. Πάει, Et cette région où je suis aujourd'hui, je la découvre et c'est une très belle ville qui a été reconstruite après un tremblement de terre, tout le monde se souvient. Nous venons de visiter le nouveau centre de technologie. Et c'est très impressionnant de voir le potentiel de croissance dans ce secteur ultramoderne des nouvelles technologies. Un choix économique tout à fait moderne, audacieux. Ուրեմն արդիական, տնտեսական, ուրեմն ընտրությունը, տեխնոպարկ ստեղծել է եւ այդ ուղղությանը հավ տալ, զարդ տալ։ Եվ տեխնոպարկով, միջանոց երևի ես էլ շատ հետաքրքիր, մեր այցը ունի հենց տեխնոպարկից սկսվեց։ Écoutez, nous aussi, nous avons beaucoup d'espoir avec ce centre de technologie. Et de ce fait, donc, nous espérons beaucoup et nous avons beaucoup d'attentes. Alors, par rapport aux autres régions de la République d'Arménie, la région de Chirac peut être placée parmi les régions pauvres. Mais au niveau justement des technologies d'information, Chirac occupe la Donc, compte tenu justement d'un corollaire de l'information dans les familles, donc on peut dire que c'est la région la plus, disons, informatrice. L'histoire. Selon l'histoire, selon les traditions, donc il s'avère que beaucoup de gens doués, de personnes douées, beaucoup de personnes douées sont nées ici, donc sont natives, originaires de la région de Chirac. Là, vous savez, justement, vous avez dit que vous connaissez la région de Lori, parce que oui, là. Lori, c'est boisé, c'est vert, alors que là, ici, vous avez vous-même remarqué, c'est un peu aride. C'est donc l'endroit le plus froid, là. Là, c'est la Sibérie de l'Arménie. Je ne sais pas, c'est peut-être cette sévérité de la nature qui a fait que donc, ça justement était favorable pour la naissance des gens. Vous comprenez que si jamais la ville n'était pas frappée par ce séisme, le panorama serait complètement différent et ceci à tout le monde. Et je tiens absolument à dire que si jamais donc, la région n'était pas frappée par le séisme, la région pourrait justement donc, être un concurrent digne de ce mot à la capitale. Sauf que là maintenant, nous avons ce que nous avons.